quand tu t'apprêtes à filmer et qu'il se passe ça. Je suis sûre que vous l'entendez, c'est pas possible autrement. Salut tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, mais pas que. J'ai vraiment très 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 envie d'ouvrir ce petit colis. Trop le bouger parce que ça va faire du bruit vu que c'est envoyé dans un espèce de sachet sac poubelle. J'ai passé une nouvelle commande sur le site ShopMissA. J'avais déjà fait une commande et je vous avais d'ailleurs déjà fait un unboxing que je vous mets dans le petit i. Et aujourd'hui je me suis dit je vais refaire un unboxing ShopMissA, mais j'ai envie en fait, justement, vous le voyez peut-être à ma tête, je suis pas complètement maquillée, de tester directement ce que j'ai acheté. Alors dans mes souvenirs, j'ai pris 2-3 fards à paupières. S'il faut en rajouter de ce que j'ai chez moi, je rajouterai pour essayer quand même de faire quelque chose de bien, j'espère. Si je peux faire tout avec ce que j'ai pris, je le ferai, mais pour vous dire la vérité, je me souviens plus des couleurs que j'ai pris. Donc bon, j'ai pris des highlighters. Peut-être que je vais pouvoir m'en servir en même temps comme blush, je ne sais pas, si pas je mettrai du blush que j'ai. Et j'ai pris aussi des rouges à lèvres, par contre ça j'en ai pris des millions je crois. Donc on verra, et après j'ai rajouté quelques petites babioles autour. J'ouvre tout ça et quand ça fait moins de bruit, je vous reprends. Zut de flûte, j'ai plus de ciseaux. Oh, is. On en est là, apparemment il y a encore un petit peu de sachet à l'intérieur, donc je vais poser ça et je vais prendre au fur et à mesure pour pas faire une catastrophe et faire tout tomber ce qui est en train de se passer. Je vais peut-être sortir en premier les babioles, au moins ce sera fait et on pourra commencer vraiment la partie intéressante des choses. C'est bien parce qu'ils m'ont mis toutes les babioles, je vais dire, j'aime bien appeler ça comme ça, dans un petit sachet individuel. Ah, il y a ceci qui n'est pas une babiole, mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que tout simplement j'ai déjà fait mon teint. J'ai repris, si vous vous souvenez, dans ma première vidéo unboxing, j'avais déjà acheté ces éponges de chez ShopMissA. Par contre, j'avais pris les modèles qu'il y avait à ce moment-là, qui étaient des formes de Beauty Blender classiques, je vais dire en forme d'œuf un peu. Et celle-ci, je vais l'ouvrir pour vous la montrer quand même, ce sera plus simple. Elle a une forme d'œuf aussi, sauf qu'elle a un côté plat ici au lieu de pointu. Et un autre côté plat ici. J'espère qu'on voit bien, mais je pense que oui. Et en fait, j'ai repris cette petite éponge. Enfin, un modèle différent, mais leurs éponges en tout cas. Parce que ces éponges, elles sont vraiment giga bien. Et je vous ai oublié de vous préciser en fait. Mais ça sera mis dans le titre. Mais tous les produits que j'ai achetés coûtent 1$. Ça veut dire que ça correspond à 80 centimes, quelque chose comme ça. On va demander à Siri. Bonjour Siri. Bonjour Pierre Précieuse. Oui, bon, il m'appelle Pierre Précieuse. En fait, j'ai écrit un petit diamant, mon nom dans mon répertoire, et bah, il m'appelle Pierre Précieuse. Enfin, combien équivaut 1$ en euros? Ça doit faire 88 centimes. Voilà, donc Siri nous dit que ça fait 88 centimes. Donc chaque article que j'ai acheté dans cette commande vaut 88 centimes. Je crois que j'en ai eu pour 35$ pour tous les articles, et il y a 10$ de frais de port. Alors ça vient d'Amérique, pas, en tout cas moi j'ai commandé 2 fois, j'ai pas eu de frais de douane. Voilà, je pense que peut-être les frais de douane sont peut-être déjà calculés dans, vous savez, les frais de port. Il y a beaucoup de sites qui font ça en ce moment. Je vais pas dire de conneries, donc je suis pas sûre. Si je trouve l'information, pardon, je vous écrirai ça dans la barre d'information. Mais en tout cas moi, j'ai pas eu de frais de douane les 2 fois que j'ai commandé. Bref, j'arrête de parler et j'ouvre ce petit sachet de babioles. Première petite babiole, j'ai pris un porte-clés. Voilà, j'ai pris un petit porte-clés avec un petit pompon couleur mint un peu, turquoise mint entre les deux. Et c'est une petite queue de sirène holographique. Donc voilà, je mets bien, j'avais envie tout simplement. Et ensuite, le reste des babioles, ce sont des boucles d'oreilles. J'ai pris ce lot-là. Allô Lola, oui c'est bien moi. 3 paires de créoles, une simple, une un peu plus travaillée. Et une un peu crantée, si je peux dire. J'en ai pris 2 autres petits lots. Ceux-là, je vais pas les ouvrir parce que je pense qu'on voit bien comme ça. Il y a ce lot-là. Et celui-ci. Donc chacun de ces lots vaut 1$ à chaque fois. Donc il y en a un où il y a 6 paires et l'autre 9 paires. Ensuite, j'ai pris 2 pinceaux. J'ai pris un petit pinceau plat extrêmement petit et un petit pinceau crayon. On passe au maquillage. J'en ai pris des centaines. C'est pas vrai parce que j'en ai eu pour 35$. Si j'en ai pris des centaines, j'en aurais eu pour 100$. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 highlighters. Je me suis lâchée, je crois. Celui-ci qui s'appelle Fraisa. Je vous montre quand même les packaging avant de l'ouvrir. Qui sont comme ceci.
on l'ouvre, il y a une petite protection. Ça, moi, je vais les enlever parce que ça va m'énerver. Je le sens. Et voilà la couleur de celui-ci qui m'a l'air d'être super joli. C'est un rose avec des reflets dorés. Ça m'a l'air bien. Oui, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. J'espère que vous pourrez bien voir, mais je pense que oui quand même. Et celui-là, peut-être que je pourrais l'utiliser comme blush. Donc on va sûrement le tenter en blush. Ensuite, il y a celui-ci qui s'appelle Allure, qui est plus clair. Super joli celui-là aussi. Il est beaucoup plus clair, j'espère qu'on... Ouais, je pense que oui. Hein. C'est super bien pigmenté parce que je me rends compte qu'on les voit bien quand même à la caméra. En tout cas, j'ai l'impression. Il y a celui-ci qui s'appelle Blissful. Bon, celui-là m'a l'air quand même vachement blanc. À voir estompé. Ensuite, il y a le crème puff. Celui-ci est super beau. C'est un espèce de champagne quand même assez clair, mais super beau. Qui est ici. Le dernier, Cupcake. Et qui est aussi un peu rosé. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il est ici. J'espère qu'on le voit. J'ai l'impression que celui-là, on ne le voit pas. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'ils se font un peu... J'ai deux fards à paupières. Je pensais que j'en avais pris trois. Mais apparemment, j'en ai pris que deux. Donc, ben, on va voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Donc, celui-ci, il s'appelle Ivy. Et donc, c'est un vert. Ouais, la pigmentation m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, le deuxième s'appelle Gravel. Et c'est un violet... grisé un peu. Celui-ci est beaucoup plus clair que ce que j'aurais pu penser. Quand on le voit comme ça, il a l'air plus foncé et finalement il est pas si foncé. Il est plus lumineux que foncé en fait. Qu'est-ce que je vais faire sur mes yeux avec ça? Je vais devoir utiliser de toute façon dans tous les cas un fard mat. J'ai pas le choix pour mettre dans mon creux, je préfère avoir du mat. Donc je suis allée chercher une petite palette pour avoir quelques fards mat. J'ai pris celle-ci. Donc c'est la palette contour intuitive de chez NYX et c'est la Smoke and Pearl. Je vais prendre, je pense, ces deux fards là pour mettre dans mon creux. Celui-ci en premier, celui-ci pour intensifier. Et ensuite je verrai si je mets... le violet ou le vert. Donc je vous passe cette étape rapidement hein, puisque le but c'est de voir ce que valent les fards Shop Miss A et pas ceux-ci puisque ceux-ci je sais qu'ils sont très bien. Donc voilà qui est fait, vous remarquerez peut-être aussi que j'en ai profité pour couper ma paupière et je me suis dit que j'allais faire ça avec justement un correcteur que j'avais acheté dans ma précédente commande Shop Miss A. Donc c'est le correcteur AOA Studio Wonder Cover. Et moi, c'est la teinte... Est-ce qu'il y a encore la teinte? Oui, porcelaine. Voilà, j'ai coupé ma paupière. Je ne sais plus parler, c'est quoi ça? Je l'ai coupé ma paupière avec ce correcteur et j'adore faire ça avec celui-ci. Il est vraiment top. Par contre, en anti-cerne, je l'aime pas trop parce qu'il est assez épais et il sèche très vite. Et après, on a du mal à l'estomper. Donc voilà, je l'aime pas trop en anti-cerne. Par contre, pour couper ma paupière, il est vraiment génial. Quand je dis couper ma paupière, j'ai toujours l'impression que je vais... littéralement couper ma paupière. Mais non. En faisant tout ça, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais mettre le vert sur ma paupière. Et je me suis dit aussi que dans mes souvenirs, sur le site, il y avait un swatch sec et un swatch humidifié. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ce fard humidifié et au moins on va voir la possibilité totale de l'intensité de ce fard. Est-ce que c'est français? Je crois. Je ne suis pas sûre, mais on va faire comme si. C'est vraiment un super beau vert en tout cas. Donc là, j'y vais délicatement pour pas dépasser ce que je viens de dessiner, forcément. Et si je ne vais pas vraiment tout contre mon ratine, vous voyez qu'il reste un petit écart. C'est pas bien grave parce que je ferai un trait de liner plus tard. Donc c'est pas bien bien grave s'il y a encore un petit écart à ce niveau-là. Voilà pour le vert qui est vraiment très 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 joli. Bien intense, encore plus intense une fois humidifié comme vous pouvez le voir. Par contre du coup, comme je sais pas encore trop ce que je vais faire, si je veux faire un eyeliner coloré, etc. Je vais passer au blush, à l'highlighter et après on reviendra aux yeux. Donc bah, comme je disais tout à l'heure, le seul highlighter qui pourrait me servir de blush c'est celui-ci. Donc bah, je vais le tenter et on va voir ce que ça peut donner. C'est parti. Ouais, comme blush, pour moi, c'est bon. Moi, j'aime bien avoir aussi ce genre de blush qui est irisé. Vous voyez, ça donne déjà un petit glow quand on l'applique avec un pinceau blush comme ça. Ça fait la couleur du blush plus un petit effet highlighter. Si vous n'aimez pas les gros effets highlighter, mais que vous aimez bien quand même un petit peu de glow, sincèrement, je vous conseille de mettre ce genre de blush irisé. Comme ça va vous donner vraiment...
cet effet un peu glowy sans avoir vraiment trop cet effet highlighter hyper marqué. Moi j'aime beaucoup faire ça pour les jours où j'ai pas trop le temps, hop ça fait deux en un. Après bon j'avoue je suis une grosse fan d'highlighter donc j'aime bien en mettre en plus par dessus, mais bon. Donc je disais que j'allais mettre par dessus soit celui-ci. Il y en a un qui tire plus dans les champagnes et l'autre dans les un peu rosés. Je pense que je vais mettre quand même celui qui tire un peu dans le champagne puisque dans ce rose là il y a un reflet un peu doré et je pense que ça pourrait bien faire avec celui-ci. Bon, il est vraiment bien pigmenté, je pense que vous pouvez bien le voir. Il est vraiment très beau. Sincèrement, vraiment très beau. Ils ont vraiment des beaux highlighters. J'ai eu vraiment du mal à faire un choix. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, hein, j'en ai pris 5. J'ai vraiment eu du mal à me décider sur qu'est-ce que je prenais pas. Celui-ci est vraiment très beau. On le voit super bien. J'aime trop. C'est magnifique. Sincèrement, c'est vraiment magnifique. Je sais plus m'arrêter là. Je vais du coup en mettre aussi au niveau de mon arcade sourcilière. Oh là là, vous avez entendu? Il vient juste de tomber, mais complètement comme ça. Et il n'a rien. Oh là là, j'ai eu super peur. J'ai aussi eu beaucoup de chance, je crois. Je suis en train d'en mettre genre partout. Et sincèrement, il est tellement beau. Voilà, je pense que pour l'highlighter, c'est bon. On va repasser aux yeux. Et du coup, pour repasser aux yeux, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les lèvres. Puisque je pense que je vais peut-être faire un eyeliner avec un rouge à lèvres liquide. Ok, donc j'ai pris tout ça de rouge à lèvres liquide. J'ai pris deux autres gloss. Donc voilà, je suis pas sortie de l'auberge. En gros, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je crois. Eh bien, je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant genre 10 minutes toute seule dans le vide. Parce que j'avais pas appuyé sur le bouton pour filmer. Et en fait, voilà. Et je vous ai fait tous les swatchs des rouges à lèvres. Sauf que bah, ça n'a pas filmé. Donc bah, je vais quand même vous les montrer de plus proche. Ça, de rouge à lèvres liquide. Et j'ai pris deux lip gloss qui s'appellent Diamond Lip Gloss. Donc voilà les rouges à lèvres liquides que j'ai pris. J'essaierai de faire un petit arrêt sur image pour vous de noter les noms. Donc il y a ceci en plus. Gloss que j'ai pris, donc c'est des Diamond Lip Gloss comme je vous disais, ils sont comme ceci, il y a un rose, ceux-là je peux vous dire les noms vu qu'il n'y en a que deux. Le rose s'appelle Art Candy, donc celui qui est par ici. Le deuxième s'appelle Glam. Et je disais que j'avais envie de faire un trade liner bordeaux, enfin prune plutôt. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et vous remarquerez peut-être qu'entre temps j'ai changé mes boucles d'oreilles et j'ai mis les créoles. Concentration. Voilà pour le trade eyeliner prune avec le Wonder Matte en teinte, comme je vous ai dit, drama. Je viens de me souvenir que j'avais un eyeliner pailleté qui est un peu dans les tons marron. Et peut-être que ça pourrait le faire, donc je vais tenter. Donc je vais faire le contour en fait de mon cut avec cet eyeliner pailleté. Ok, ouais, ça me plaît bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, je vais faire mon ratil avec vous. Et ensuite, je viendrai mettre des faux cils. Et je vais vous épargner ça parce que bon, c'est à peu près toujours la même chose. Je vais remettre exactement les mêmes deux fards. Donc celui-ci et celui-ci au niveau du ratil inférieur. Je vais maintenant mettre mes faux cils et je vous retrouve tout de suite une fois que c'est... On va passer du coup à la dernière étape de ce maquillage. Ça va être les lèvres. Celle-ci, c'est la teinte. Et d'ailleurs ça fait longtemps que je vais sur le site et à chaque fois elle était en out of stock, elle était plus là, plus dispo, et du coup je reportais ma commande puisque je me disais je commanderai quand cette teinte sera là, parce que voilà, je sais pas pourquoi, c'est une teinte qui me faisait vraiment envie. J'aime vraiment cette couleur, j'adore. Sincèrement, j'adore, c'est vraiment un nude qui tire un peu dans les mauves. Et voilà, vous savez déjà que j'adore le mauve, donc ce genre de nude là, moi, c'est
parmi mes préférés. Enfin voilà, ce maquillage est terminé avec les produits de ma commande Shop Miss A. Siri, tu peux me dire combien équivaut 45$ en euros? Ça fait 39,51€. Merci Siri. Donc voilà, 40€ on va dire pour tous ces produits-là. Voilà, quand on voit le nombre de rouges à lèvres liquides qu'il y a, il y en a 15 comme je vous ai dit. Déjà juste ça, 15 rouges à lèvres liquides pour 40€, c'est difficilement trouvable. Alors en plus, on a 5 highlighters, 2 fards à paupières et 2 gloss. Et je vous ai même pas précisé, en fait je vous l'ai montré dans la partie où je faisais les swatchs, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas appuyé sur rec, donc forcément ça marche pas. Et en plus, vous voyez les petites babioles là, le Beauty Blender, les 3 lots de fard à paupières, de boucles d'oreilles et mon petit porte-clés. Donc voilà, il n'y a même pas que ça. Et il y a ceci en plus qui est un lip scrub, donc c'est un gommage pour les lèvres. C'est un petit peu rosé comme ça, mais une fois étalé, c'est transparent. Je sais pas si on peut voir, mais oui, je pense qu'on voit que c'est un petit peu rosé. Et moi j'ai pris la senteur watermelon, donc pastel. C'est une odeur assez chimique, faut pas se le cacher, mais c'est l'odeur... J'aime bien cette odeur, je sais pas pourquoi. Pour tout ça, j'en ai eu pour 40€. Je trouve que franchement, c'est raisonnable. C'est même plus que raisonnable. C'est très avantageux, je trouve. C'est des bons produits. Comme je vous ai dit, j'ai déjà commandé sur ce site le correcteur que j'utilise souvent pour couper ma paupière. J'ai les Beauty Blender que j'adore. Je me souviens plus trop ce que j'avais commandé dans ma première commande. J'avais aussi commandé plus de babioles, je crois. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a fait un unboxing en même temps tuto. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis ben, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.